Je suis le frère Nyan Désiré, disciple du pasteur Ménier Boniface. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui vient de faire tomber une principauté dans ma vie. Alléluia. C'était la principauté du blocage au plan professionnel. Et je souligne que je suis inspecteur principal d'orientation et j'ai exercé jusque-là au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je travaille depuis 15 ans. Je n'ai jamais connu de promotion. Et ce ne sont pas les compétences qui manquaient. Ce ne sont pas non plus les occasions de promotion qui manquaient. On m'en proposait même. Je donnais les dossiers et les dossiers se perdaient. Je vais vous épargner beaucoup de détails. Je vais prendre juste ce qui a précédé la chute de cette principauté-là cette année. En mars 2021, précisément le 8 mars 2021, j'ai été redéployé dans un ministère. Quand le redéploiement est arrivé, je me suis rendu à la DRH du ministère concerné. On m'a demandé mon CV. J'ai fait le CV et je l'ai déposé. Quand ils ont vu le CV, quelqu'un m'a appelé après. Il me dit, en tout cas ton grade là, ton CV qu'on a vu ici chez nous là, ça c'est le poste des directeurs centraux ou des sous-directeurs centraux. Envoie 2 millions et on va te donner un poste. Je leur ai dit, non, vous vous trompez. Je ne suis pas en train de passer un concours. C'est juste un redéploiement. C'est juste un poste pour poursuivre dans l'administration publique. Alléluia. Ils ont dit, d'accord, on va te rappeler. Quelque temps après, il m'appelle, il me dit, bon, si tu n'as pas 2 millions, envoie 1 million et demi. J'ai dit non. Quelque temps après, il dit, bon, envoie 1 million. Au dernier moment, il m'a dit, bon, si tu n'as pas les 1 million, donne pour l'instant 500 000. Je crois que c'est une semaine après que le DRH en question même a été relevé de son poste. Alléluia. Jésus-Christ. Et après, en avril de la même année, un remaniement a été fait et il y a un ministre qui a été nommé là où je voulais aller. Et il a pris pour conseiller mon oncle, c'est-à-dire le petit frère à ma maman. Quand j'ai appris ça, j'ai couru vers lui avec mon dossier. Le ministre a vu, il dit, mais c'est un très bon dossier. Tenez-vous bien, le ministre a fait une note. Il a mis sous pli, il a demandé à mon oncle et à son chargé de mission d'aller remettre à son DRH. Gloire à Dieu. Ils sont allés, ils ont remis ça dans un autre ministère, à un autre DRH. Le papier est perdu. Et ça a pris du temps. Je me suis décidé un jour, j'ai dit, bon, moi-même, je vais aller croiser le ministre. Il y a quelqu'un qui le connaissait, qui connaissait son domicile. On a pris rendez-vous et on a allé. Il nous a reçus. J'ai dit au ministre, tu as essayé de m'aider, mais les gens que tu as envoyés ont envoyé le dossier ailleurs. Il a crié, mais qui a fait ça? Bon, c'est pas grave, on va réparer ça. Tu sais, il y a un remaniement en cours. Quand on me confirme, je t'appelle pour travailler au cabinet avec moi. Gloire à Dieu. On a attendu le remaniement. Au soir du remaniement, je faisais partie des premières personnes qui sont allées l'encourager parce qu'il n'a pas été reconduit. Alléluia. Quand je sortais de chez lui ce soir-là, j'ai pris la décision que j'allais tout arrêter. Et je me suis retiré. Je me suis repenti de beaucoup de choses. Je me suis examiné profondément. Alléluia. Et j'étais fâché maintenant avec le diable. Je lui ai dit, le renversement des principautés approchait, la date approchait. Je lui ai dit comme ça, un jour au bureau, toi et moi, on va se retrouver à Tiekwa. Alléluia. Acclamation. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et j'étais très concentré. Je vous dis la vérité, j'étais très concentré. Même mes manières de prier ici ont changé. Alléluia. Et puis, un soir, j'étais couché chez moi quand un ami m'appelle, qui est directeur général d'une structure rattachée à un ministère d'État. Quand on a échangé, il me dit, mais moi j'ai besoin de toi. En fait, j'étais fatigué de toutes ces promesses-là. Il lui a dit, voilà, je me concentre pour attendre à Tiekwa. On veut me distraire encore. En tout cas, au départ, c'est ce que j'ai pensé. Et puis, je lui ai dit, d'accord. Et j'ai commencé à demander conseil à certains de mes amis. Et puis, quand ils ont lancé la mise à disposition, c'est ce qui nous permet de changer de ministère. J'ai dit, OK, je ne vais pas postuler cette année tant que je n'ai pas réglé le problème avec Dieu. Alléluia. Et j'ai pris un jeûne.
Au sixième jour du jeûne, je regarde sur mon espace fonctionnaire, le DG a accordé ma demande de mise à disposition. Une semaine après, son DRH a accordé pour dire que j'ai ma place là-bas. Le plus difficile, c'était au niveau de mon ministère, parce que ce n'est pas facile. C'est vrai, chez nous, c'est facile d'entrer, mais c'est difficile d'en sortir. Alléluia. Et j'ai changé ma manière de prier. Je priais maintenant que le Seigneur donne des ordres à mon sujet, à mon directeur régional. Et j'ai prié comme ça. Un matin, je devais aller le voir pour faire signer mon papier pour accorder ma demande de départ. Il avait plu ce jour-là fortement. Et je suis arrivé à son bureau très tard, entre midi et deux. Quand il m'a vu, il a pris mon dossier. Je vous dis bien, entre midi et deux, les gens même étaient allés prendre leur pause. Il a appelé son homme de main qui est l'informaticien. Il lui a dit, tu es où? Il dit, je suis en train de manger. Il dit, remonte rapidement. Et l'informaticien est remonté. Nous sommes allés devant moi. Il a accordé mon départ au niveau de l'ADREM. Gloire à Dieu. Il restait l'étape de mon DRH. Vous savez, quand c'est comme ça, quand mon DRH me libère, ça veut dire que je suis déjà parti. Alléluia. Mais pour ceux qui connaissent notre ministère, notre DRH, on le connaît. Il ne laisse pas ses éléments partir comme ça. J'ai dit, ok, je vais prendre un jeune jusqu'à ce qu'il accorde mon dossier. Gloire à Dieu. Et ma manière de prier à Tchéko avait changé. Et quand je suis allé déposer mon dossier à la DRH, il y a son assistante qui m'a dit, si vous déposez, faites une copie, donnez-moi aussi, parce que je vous connais très bien. Alléluia. Et selon elle, le témoignage qu'elle me rend, quand elle est allée présenter le dossier au DRH, elle m'a appelé et dit, Monsieur Nian, ton dossier là, moi je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas un dossier de départ que je présente à mon DRH qui ne me rabroue pas. Je lui ai donné, il n'a rien dit. Alléluia. Et j'ai continué, j'ai persévéré dans la prière jusqu'à ce que le 26 de ce mois, il y a quelques jours en arrière, elle m'a appelé et dit, regarde ton espace fonctionnaire. Je regarde, tout est accordé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis allé donc voir dans mon nouveau service. Et le vendredi, j'ai pris rendez-vous avec mon nouveau DG pour lui demander qu'est-ce qu'il attendait de moi dans son service. Et je précise que la structure, c'est une structure, c'est un EPN, un établissement public national. Il m'a dit ici, voilà ce que tu auras à faire, voilà, voilà, voilà. Et il m'a donné mon poste, il m'a dit que désormais je suis le chef de service des stages et de l'insertion professionnelle. Alléluia. Jésus-Christ. Et pendant qu'on échangeait, en tout cas, c'est une structure qui a beaucoup, beaucoup de projets et beaucoup de partenaires à l'extérieur. Il m'a dit désormais également, tu es le responsable de la coopération internationale. Alléluia. Jésus-Christ. Et j'ai vu la main de Dieu parce que cette principauté-là, je vous dis que chaque année, je reconduisais le même sujet. Alléluia. Et c'est cette année qu'elle a été terrassée à jamais. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui a renversé cette principauté de ma vie. Amen. Amen. Deux Rois chapitre 5. In 2 Kings chapter 5. Verset 1 à 17. Verse 1 to 17. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie,
le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, en présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Amen. Amen. 2 Kings, chapter 5, from verse 1 to verse 17. Now, Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master
and highly regarded, because through him the Lord has given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now, bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master will see the prophet who is in Samaria, it will cure him of his leprosy." Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. "By all means, go," the king of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, "With this letter, I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy." Verse 7. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he's trying to pick a quarrel with me." When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robe, he sent him this message: "Why have you torn your robes? Have the man come to me and will know that there is a prophet in Israel?" So Naaman went with his oxes and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." Verse 11, but Naaman went away angry and said, "I thought that he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spots, and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?" So he turned and went off in a rage. Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed?" 14. So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servants." The prophet answered, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing." And even though Naaman urged him, he refused. Verse 17, if you will not
said Naaman, please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord. Amen. Amen. Écoutez. Listen. Il y a deux choses au programme. There are two things. Deux choses qui restent. There are two things which remain. Nous devons expliquer ce passage aux invités. We must explain this passage to the guests. Et nous allons leur demander de prendre la décision and we are going to de suivre Jésus. To take the decision to follow Jesus. Et nous allons les conduire à Christ. And we lead them to Christ. Après, nous allons nous retrouver, nous tous, pour combattre contre le diable. After that, we'll join to fight against the devil. Nous allons détruire l'envoûtement. We are going to destroy enchantment. Nous allons détruire ce qu'on appelle la malédiction humaine. C'est-à-dire, si un être humain t'a maudit, on va casser ça. C'est fini ce soir. If a human being cursed you, we'll break it, we'll destroy it today. Parce qu'il y a déjà, dès qu'il est jaloux, il lance le sort. Because if people are jealous, they just call on spell. Et il peut te lancer un mal de tête. He can throw a headache to you. Et tu souffres toute ta vie. And you suffer all your life. Ça finit ce soir. It's end today. Quand une jeune fille rend témoignage qu'elle faisait pipi au lit, ça c'est l'opprobre. Jésus l'a délivrée. If when a young girl said that she used to urinate in a bed, this is despised, and Jesus delivers her. Et parmi les invités, il y en a qui sont encore sous l'opprobre. And among our guests, there are some who are still undespised. Mais qu'est-ce que ce passage dit? But what does this ce passage say? Montre this passage shows comment Dieu avait guéri un Syrien how God healed a Syrian de la lèpre. From leprosy. Pourquoi Dieu veut-il que tu le saches? Why does God want you to know it? Il veut que tu saches. He wants you to know qu'il peut le faire ce soir. That he can do it today. Dans ta vie. In your life. La Bible dit the Bible says que les Syriens étaient partis en guerre. That Syrians went on war. Ils avaient un général qui avait toujours gagné les guerres, qui s'appelait Naaman. They had a commander who always won his battles. Un jour après une expédition en Israël, ils ont ramené une esclave, une petite. They brought a captive girl from Israel. Donc cette petite fille servait sa femme. This small girl served his wife. Et la parole de Dieu dit and the word of God says que ce grand général, this big commander, ce grand homme, ce grand militaire, this great man, this great military, ce grand vainqueur, this big great winner, avait un problème très grave. Had a very serious problem. Il était un lépreux. He had leprosy. Il était un lépreux. He had leprosy. Vous savez comment la lèpre opère? Do you know how leprosy occurs? Au début, c'est une petite tache. At the start, it's a small spot. Tu peux cacher. You can hide. Ça peut être sur ton dos. It can be on your back. Dans l'avant-bras. In your arms. Tu es on là. Your arms. You are there. Tu caches. You hide it. Après. Later on. Elle évolue dans le corps. It evolves in your body. Tu couvres avec les habits. You cover with clothes. Après, elle casse ton nez. Later on, you break your nose. Casse ta bouche. Break your mouth. Tu ne peux plus cacher. You cannot hide it anymore. Quand le nez est déjà tordu, les doigts commencent à se couper. Tu ne peux plus cacher. When your nose is already bent on your hands, voilà your fingers donc are cut. Une situation cut. Très difficile. This is a very hard situation. Quelqu'un qui a fait du bien à une nation. Someone who did good to a nation, un royaume, to a kingdom, est malade. He's sick. Quelle maladie? Which kind of sickness? Une maladie que personne ne peut soigner. A sickness no one can heal. Et selon la médecine, la and science, according to medicine, il faut science, même l'isoler. He must even be isolated. Après, il a gagné les batailles, le pays est en paix, tout le monde est content, mais lui, il doit quitter les hommes, aller vivre seul.
After having won battles, the country is at peace. He must go and live alone somewhere. La lèpre. Leprosy. C'est l'humiliation. His humiliation. Dans les choses spirituelles. In spiritual things. La lèpre est l'image du péché. Leprosy is the image of sin. Dès que tu entends lèpre là. As soon as you see leper. Spirituellement, ça veut dire qu'il y a le péché en toi. Spiritually, it means there is sins. Tous ceux qui pratiquent le péché sont des lépreux. All those who practice sins are leprosies. Ils sont des lépreux. Are lepers. Et la lèpre va évoluer. And it will evolve. Certains ont fait la prison. Certains parmi vous ont fait la prison. Some had been into jail. Pourquoi? Why? Le péché. Sin. Tu as fait porter les conséquences. Made you bear the consequences. Il y en a qui sont malades. There are some who are sick. Des maladies graves. Very bad. Désespérément malades. There are with no. Quand on vérifie. When we check. Ce sont les conséquences de la lèpre. There are consequences of a sin. La lèpre a des conséquences graves. Leprosy has consequences. Elle marque ta vie physique. It marks your physical life. Elle te dénature. It changes your nature. Colle la honte sur toi. He put shame on you. Le péché peut te faire perdre tout l'argent que Dieu t'a donné. Sin can make you lose all the money God gave you. Tu bois le kutuku avec. You drink kutuku with it. Tu bois le kutuku avec. You drink kutuku with it. Tu bois le kutuku avec. You drink kutuku with it. Le péché. Sin peut te faire pleurer toutes les nuits. Can make you cry all the nights. Toutes les nuits. All the nights. Que tu es là. You are there. Tu pleures. You just cry. Personne pour t'aider. No one to rescue you. Donne la main. Naaman se retrouvait dans une situation, found himself in a situation où lui-même et sa femme, where himself and his pleuraient wife tous les jours, used to cry every day. C'était devenu évident. It was so obvious. Visible. Visible. La servante a su. The servant knew que son patron avait un problème. That her manager had a problem. Et c'était malheureux. And it was very miserable. Quand tu sers une femme qui pleure seulement. Because when you serve a woman who always cries. Toi-même tu as des problèmes. You have problems yourself. Elle s'est dit. And she told herself. Il faut que je fasse du bien à ce couple. I must do good to this couple. Cette petite fille. This small girl. Avait résolu. Decided. Qu'elle allait rencontrer sa patronne. That she will meet her boss. Pour l'exhorter. To advise her. À convaincre son mari à effectuer un voyage sur Israël. To convince her husband to go on a travel to Israel. Parce qu'il savait que là-bas se trouvait un prophète. Because she knew that over there there was a prophet. Que l'Éternel utilisait. That the Eternal uses. Et il a parlé à sa maîtresse. À and sa... she spoke to her mistress. Et la dame s'est humiliée. And the lady humbled herself. Elle n'a pas discuté. She did not argue. Vous savez. You know. Ne discutez pas. Do not argue. La guérison divine a un chemin. Divine healing has a way. Ce sont les leçons que Dieu veut donner à travers cette histoire. These are lessons God wants to give to this story. Une petite fille. A small girl. Convainc Madame Générale. Convincing Madame Commander. Sans discuter. Without argument. Et la femme s'en va. And the lady went. Elle dit à son mari. She told her husband. Sans discuter. Without argument. Arrête de discuter. Stop arguing. Tu veux l'aide de Dieu. You want God to help you. Mais tu veux montrer que tu connais. But you want to show that you know. On lit tel verset. Tu cherches aussi a ton petit verset. A verse is read. You are looking for another one. Il y a des gens qui disent, je suis baptisé. There are people who says, je vais à l'église. I am baptized. Il y en a qui disent, j'étais au séminaire. Some say, I was tu as la lèpre sur toi. You have leprosy et tu dis on que you. Tu étais au séminaire. And you say you were at the seminary. Elle va évoluer. It will evolve. Un jour. And one day, elle va attaquer même la langue là. It will attack even your tongue. Elle va grossir dans ta bouche. And it will grow tu ne in your pourras même mouth. Plus dire que j'étais au séminaire. You won't even be able to say ça anymore that I was at the seminary. It will be like this. Pour rien. For nothing. Parce que tu pouvais l'éviter. Because you could have avoided tu peux, tu it. You peux can avoid it. Tu peux décider. You can decide. Que tu vas écouter cette that enfant. You will listen to je this ne sais girl. Pas. I don't know. Qui a été placé dans ta vie. Who was put in your life. Pour te rappeler toujours. To recall to you every que ce day que tu fais n'est pas bien. That what you are doing is je not ne good. Sais pas. I don't know. Si tu l'as écouté. That if you listen to je it. Ne sais pas. I don't know. Si tu vas écouter ce soir. If you are going to listen today. Je ne sais pas. I don't know. Mais Naaman but Naaman a écouté. Listened. Il est parti voir le roi. He went and saw the king. Il dit, roi, he said, king, j'ai une bonne nouvelle. I have a good news. Enfin,
at last. J'ai trouvé quelqu'un qui dit qu'il est possible. Who says it's possible? Que je sois guéri. That I can be, I should be healed. Qu'il est possible. That is possible. Que je sois guéri. That I am healed. Et le roi, and the king, lui ne connaît pas les choses spirituelles. He didn't know spiritual things. Il a signé une lettre. He just wrote a letter and signed. Au lieu de rester dans le domaine spirituel, instead of remaining in the spiritual field, il a mis la politique, la diplomatie dedans. He put politics and diplomacy. Voilà mon général que je t'envoie. This is my commander I am sending to il you. Il écrit au roi. He wrote the letter to the king. La petite fille n'avait pas dit d'aller vers le roi d'Israël. The small girl did not say go to the king of Israel. La petite fille a bien dit. The small girl je connais said, un prophète en I Israël. I know a prophet in Israel. Hey, ouvre tes oreilles. Open your ears. On te parle. When you are spoken de Jésus de Nazareth. About Jesus of Nazareth. On n'a pas dit va chez le président de la we République. We are not asking you to go to the president of the Republic. Oh, hey, écoute. Listen. On n'a pas dit va voir le président. You, go and see the president. On n'a pas dit va voir les religions. We have not told you go and see religions. On te dit il y a un prophète en Israël. You have said there is a prophet in Israel. Il a écrit une lettre. He wrote a letter. Quand le roi d'Israël a lu la lettre, when the king of Israel read the letter, il a posé les mains sur sa tête. He lays his hand on his head. Il dit que qui suis-je he said, who am I pour guérir un lépreux? To heal a leper. Il dit écoutez mes amis, c'est un plan de guerre. Listen my friend, this is a problem, it's a war. Il dit le roi de Syrie veut the nous attaquer. King of Syria wants to attack me. Et il pleurait. And ooh, he was just crying. Et les bruits sont parvenus à Élisée. And noise is rich. Elisha. Élisée dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Noise reached Elisha. He said, what is happening? On lui dit qu'il y a un, le général, le monsieur qui nous a toujours battu là. He was il said est, that is the commander, venu, the man who always overcome you avec came une lettre, with a letter que le roi lui a donné. That his king gave him. Il a remis la lettre au roi. He gave a letter to the king. Dans la lettre, il dit que le roi doit guérir son général. And la in lettre. The letter, he said that the king must heal his general, his commander. C'est pour cette raison qu'il y a tous ces bruits là-bas. This is why there are so all those noise. Élisée dit, faites-le venir. Acclamation make pour Jésus. Make him come and meet me. Faites-le venir. Make him come oh, and meet Élisée, me. Faites-le venir. Let him come. Quand il est parti, when he went, avec tout ce qui l'accompagnait, with all people around him, arrivé à la porte, at the door, Élisée a envoyé un serviteur. Elisha sent a servant. Il dit, va lui dire. He said, go and tell him. D'aller dans le Jourdain. To go into the Jordan. De se plonger sept fois. To go down and dip himself seven times. Quand le jeune serviteur est venu, il dit à Naaman, le prophète dit d'aller te plonger sept fois dans les eaux du Jourdain. When the young servant went, he told Naaman, the prophet says, you must go and dip yourself in the Jordan seven times. Naaman s'est fâché. Naaman got upset. Pourquoi se fâche-t-il? Why was he upset? Il pensait qu'on l'a méprisé. He thought he has been despised. Il se disait, mais he told himself, parce que j'ai la lèpre. Because I am a leper, moi, le général me, Naaman, the commander Naaman, je croyais que cet homme allait sortir m'accueillir. I thought this man who got out and welcomed lui-même. Himself. Parce que déjà, savait que les prophètes ont souvent des serviteurs. Because people know that prophets are used to have servants. Dans le souhait, so the wish, c'est que le prophète lui-même sorte. Was the prophet himself to go out? To go et out. Il se disait. He told himself, quand le prophète va sortir, when the prophet will get up, il va agiter sa main sur he ma will lèpre, shake his hand on my leprosy, et je serai purifié. And I will be purified. Écoutez, listen, nous ne t'avons pas invité, we did not invite you, pour que tu t'imagines des choses, so that you imagine things. Nous t'avons invité, we invited you, pour te dire, to tell you que Jésus est mort à la croix. That Jesus died at the cross. Il a porté les maladies. He bore your sicknesses. À la croix. At the cross. Il a dit. He said. Tout est accompli. Everything has been completed. Et on l'a. Il est mort. He died. On l'a enterré. He was buried. Il est sorti vainqueur. He got out. Il est ressuscité as a winner. He rose from dead. Il est vivant. He is alive. Il agit.
And he's working dans notre génération in our generation, comme il a toujours agi. As he used to do it, il a dit, he said, venez à moi. Come to me. Jésus dit, Jesus venez said, à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués, you chargés, and overloaded, je vous donnerai le repos. I will give you rest. C'est lui qui parle. He's the one speaking. Au lieu d'aller vers Jésus, instead of going to Jesus, il y en a qui achètent des bougies. There are people who buy candles. D'autres boivent le sel avec l'huile. Some drink salt and oil. D'autres attachent les tissus rouges. Some just attach red fabrics. Some goes naked. D'autres ont des crucifix sur le cou. Some have crucifix on the neck. Il y en a qui ont des soutanes. There are those who are being. Il dit, venez à moi. He said, come to me. Venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués, you chargés, je vais vous donner le repos. I will give you rest. C'est ce que Jésus dit. This is what Jesus says. C'est ce que Jésus dit. This is what Jesus says. C'est ce que Jésus dit. This is what Jesus says. Donc, Naaman était fâché. So Naaman was angry. Il a commencé à faire trop de bruit. He started making so il voulait partir. He wanted to leave. Un autre serviteur. Another servant. Patron. Say, boss. Dans tout ce que le prophète a demandé là. In all that the prophet is requiring. Qu'est-ce qui est difficile dedans? What is hard inside? Si tu avais me demandé des choses difficiles, tu allais les faire. If he asked you hard things, you would have done it. Et dis, fais ce qu'il te demande. Say, do what he's asking you. Ça ne coûte rien. It does not cost anything. Oh, Naaman. Oh, Naaman. Il est un bon type. He's a good guy. Il y a des gens. There are people. Même si tu parles, even if you speak, tu conseilles, you advise. Ils pensent qu'ils sont sages. They think they are wise. La Bible parle des gens qui sont sages à leurs propres yeux. The Bible says people who are wise at their own eyes. Tu peux être dans l'erreur. You can be in error. Dieu enverra quelqu'un te sortir de l'erreur. God will send someone to get mais you out tu of your error. Mais quand tu refuses d'écouter, but when you refuse to listen, c'est là où c'est très dangereux. This is very dangerous. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Naaman a obéi. Naaman obeyed. Il a dit. He said. Et je vais vous dire quelque chose. Lis le verset 13. Let me tell you something. Let's read verse 13. Lis le verset 13. Mais. Écoutez très bien. Listen carefully. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi. Écoutez. Et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. Wash yourself and you'll be cleansed. En fait, in fact, c'est ça la volonté de Dieu. This is the will of God. Tous les pécheurs, all the sinners, doivent être lavés. Must be cleansed. Mais ils ne savent pas. But they don't know. Il prophétisait. He prophesied. Il dit, lave-toi. He said, wash yourself. Lave-toi. Wash yourself. Tu seras pur. You'll be cleansed. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, verset 9 à 11. Read for us 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Lave-toi. Verse 9 to 11. Wash yourself. Lis. Read. 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutez, écoutez. Listen. Verset 9 à 11. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Don't you know that? Que les injustes, que les injustes, that the unrighteous man, n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. What heritage? The kingdom of God. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Do not mistake. Ni les impudiques. Ni les impudiques. Nor the unclean. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Nor the idolaters. Ni les adultères. Ni les adultères. Nor the adulteries. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Nor the. Suis bien cette liste. Tu es dedans. Follow this list, you are inside. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Nor the infâmes. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Nor the thieves. Ni les cupides. Ni les cupides. Nor the greedy man. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Nor the drunkards. Ni les outrageux. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs. Ni les ravisseurs. Nor the thieves. N'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Will not inherit the kingdom of God. Continue. Et c'est là, ce que vous étiez, what you were, quelques-uns de vous. Vous voyez, écoutez très bien.
La lettre est écrite aux vrais enfants de Dieu. The letter is written to the right, the true children of God. Les vrais croyants qui ont accepté the Jésus. The true believers who accepted Jesus. Et la lettre leur rappelle que and les pécheurs ne seront pas au ciel. And the letter recalls to them that sinners won't enter heaven. Parce qu'ils sont contre la vie de Dieu. Because they are against the life of God. Et on leur dit, c'est ce que vous étiez vous-même. And it is said that this is what you were yourself. Ma prière. My prayer. Et que quand cette lettre sera lue prochainement. Is when this letter will be read next time. Et qu'il soit dit à ton sujet, c'est ce que tu étais. That they tell about you, this is what you were. C'est ce que tu étais. This is what you were. Continue, écoutez. Mais. But vous avez été lavé. Vous avez été lavé. You have been washed. C'est ça que le prophète voulait que Naaman entre dans le corps de ceux qui se sont lavés. This is what the prophet wanted Naaman. Vous avez été lavé. To enter the body of people who vous have been washed. Vous avez été lavé. You have been washed. On ne peut pas venir à Christ si on n'a pas été lavé. You cannot come to Jesus if you have not been washed. Donc quand le prophète dit que va entrer dans les eaux du Jourdain. So when the prophet tell tu seras pur. Enter the water of Jordan, you will be pure. Il discutait. He was arguing. Mais le Saint-Esprit a saisi son serviteur. But the Holy Spirit says his servant. Il lui dit que accepte, va te laver, tu seras pur. He said, accept and go and wash yourself. Le prophète avait dit. The prophet said, va te plonger. Go and dip. Mais l'Esprit Saint a révélé au serviteur que c'est un lavage. C'est on va Holy le nettoyer. Reveal to the servant that he's a wash. Il a prophétisé. He prophesied. Il va te laver. Go and wash. Lise la dernière phrase. Mais vous avez été sanctifié. You have been sanctified. Tu seras sanctifié. You will be sanctified. Tu seras lavé. You will be washed. Tu seras sanctifié. You will be sanctified. Dieu ne t'a pas amené pour te condamner. God did not bring you here. Il veut te laver. To condemn you. He wants to tu wash vas you. Te laver ce soir. You are going to wash acclamation today. À Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Il y aura ici they will have here une piscine spirituelle. A spiritual pool. On ne la voit pas à l'œil nu. We cannot see it without mais with our eyes. Spirituellement, but spiritually, la piscine est déjà là. The pool is already here. Dès qu'un pécheur va reconnaître ses péchés, as soon as a sinner will recognize his sins, et qu'il va se lever pour donner la vie à Jésus, and he will stand up and give his life to Jesus. Spirituellement, spiritually, il entre dans la piscine. He enters the swimming pool. Le sang de Jésus. The blood l'eau of qui Jesus. Est dans cette piscine-là. The water which is in this pool. C'est le sang de Jésus. Is the blood of Jesus. C'est le sang de Jésus. Is the blood of Jesus. Il est bon d'être entouré des hommes qui connaissent Dieu. It's good to be surrounded by people who know God. Il dit, lève-toi. He says, stand up. Va te laver. Go and wash yourself. Tu seras pur. You'll be pure. Qui a enseigné à cet homme qu'il faut remplacer le verbe se plonger par se laver? Who taught this man that he must, he should replace the word to wash, to plunge to deep by wash? Is God. Et quand il a obéi, and when he obeyed, lis ce qui est arrivé. Read what's happened. Verset 14. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Acclamation. Clap. Dis Jésus est vrai. Say Jesus is true. Sa parole est la vérité. His word is the truth. Naaman a obéi. Naaman obeyed. Il tremblait. He was trembling. Il est entré pour la première fois. He entered for the first time. Rien n'a changé. Nothing changed. Deuxième fois. He entered for the second. Rien n'a changé. Nothing changed. Troisième fois. Third time. Nothing changed. Vous savez pourquoi? You know why? Avec Dieu. With God. C'est tout. It's ou rien. All or nothing. Les gens aiment faire un peu. People like là to où do vous a êtes little. Là, il n'y a personne parmi vous qui dit que Dieu n'existe pas. Where you are, there is no one among you who says God does not exist. Le problème de l'homme, c'est que il dit Dieu, c'est toi qui m'aides. The problem of human being is God. Et you are the one who. Dans la poche, un petit fétiche est aussi là. And in the pocket, a small fetish is there. Donc ça fait personne ne dit Dieu n'existe pas et personne so ne, says, ne se donne à Dieu. God does not exist, but no one gives himself to God. Et
Lis Jérémie. Read Jeremiah. Chapitre 2, verset 22. Chapter 2, verse 22. Jérémie, chapitre 2, verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employerais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Il y a des gens There are people qui s'amusent who are joking. Et Dieu peut décider que ton péché là, il ne pardonne plus. And God can decide that he will never forgive your sin. Il te dit, fais ça. He tells you, toi, tu do fais this, ta part. You do that. Il dit, il n'y a rien sur la terre qui peut laver tes péchés là. He said there is nothing on earth who can wash or clean your sins. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lave-toi. Wash yourself. Tu seras pur. You will be pure. C'est-à-dire, tu vas guérir de la lèpre. It means you will be healed from leprosy. Alors, je vais tout droit au but. Now I'm going straight to the point. Si tu es un invité. If you are a guest. Si tu as décidé. If you decided. Que tu vas te laver. That you are going to wash yourself. Pour être pur. To be cleansed. Pour guérir de tes maladies. To be healed from your sins. Pour avoir your tes sickness. Péchés pardonnés. To have your sins forgiven. Si tu es sage, if you are wise, que tu as écouté le conseil de cette petite fille d'Israël, and you listen to the advice of this small girl of Israel, tu vas prendre cet engagement ce soir. You will take this commitment tonight. Il y a des gens qui veulent que dès qu'ils viennent, Dieu commence à les guérir. Non. There are people who want that as soon as they arrive here, God start healing them. Tu, no, it's not like that. Tu lui donnes ta vie. You give him your life. C'est la condition. It's the condition. Il dit, venez à moi. He said, come to me. Il pouvait venir progressivement. Il entre une fois. Quelques tâches disparaissent, deux fois. D'autres tâches disparaissent. Sept fois maintenant, tout fini. Non, non. It could have come step by step. Dieu attend les sept fois, les sept fois. God waited for the seven times. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Si tu as trois copines, if you have three girlfriends, tu les abandonnes toutes. You stop with all of them. Ce n'est pas que tu laisses une. It's not like you leave one. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je peux lui dire. Sorry. You say, God, I don't know what I can tell her. Tu bois la bière, tu bois le coutou, tu bois le vin de pomme. Tu dis, je laisse le vin de pomme, je laisse la bière. Seigneur, le coutou. You drink palm oil, beer and avec Dieu, c'est tout ou rien. We've got it's all dis, nous proclamons. Say we proclaim. Qu'avec Dieu, that we've got, c'est tout ou rien. It's all or nothing. Si tu veux Jésus, lève la main. If you want Jesus, put up your hand. Venez. Come. Venez ici. Come here. Tous ceux qui veulent voir. All those. Venez, venez. Who want to give their life to Jesus? Venez, come. Venez, venez. Come. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Venez, venez, venez. Come, come, come. Non, 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 laissez-les, laissez-les. Il y a beaucoup de paroles. Venez, 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 venez. Come, come, come. Acclamation, venez, venez, venez. Love for Jesus. Lève-toi. Stand up. Va te laver. Go and wash yourself. Tu seras pur. You will be clean. Jésus Christ. Jesus Christ. Oraga bagajor bagajor.
Non, restez. Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. C'est la guerre. Nous sommes en train de battre le diable. Satan, retire-toi. Satan, go away. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus-Christ t'appelle. Jesus Christ is Jésus calling te dit, you. Viens, says, viens, come, viens, come, viens. Come. Je vais te laver. I want to wash you. Je vais te laver. I want to wash you. Tu seras pur. You will be clean. Je vais te laver. I want to wash par you. Mon sang. By my blood. Jésus ne lave pas avec de l'eau. Jesus does not wash people Il with lave water. Avec son propre sang. He washes with his own blood. Et ça donne la délivrance. And he gives deliverance. Ça donne la guérison. He gives healing. Ça donne la restauration. He gives restoration. Ça donne l'autorité. He gives authority. Sur les puissants des ténèbres. Under the power of darkness. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Il dit, vous avez été lavés. He said, you have been cleansed. Ce passage-ci This word sera réel pour toi maintenant will aussi. Be true for you. On pourra te dire I can tell vous avez été lavé. You have been clean vous avez été purifié. You have been cleansed. Vous avez été sanctifié. You have been sanctified. C'est comme ça que ça se passe. This is how it's tu changes de camp. You change your camp. Tu quittes le diable. You tu viens you à leave. Jésus. You leave a par la foi. Of a devil and you come tu to ne Jesus. Paies rien. You are not paying tu ne bois any pas money. L'huile. Tu ne bois pas le sel. You don't drink salt. Tu donnes seulement ta vie à Jésus. You just give your que personne to Jesus. Ne te trompe. Let no one deceive C'est gratuit. You. It's free. C'est gratuit. It's free. C'est la révélation de It's Jésus. The revelation of Jesus. C'est la révélation de Jésus. It's the revelation of Il Jesus. A dit, je suis le chemin. He said, I am the la way. La vérité et la vie. The truth and life. Nul ne vient au Père que par moi. No one can reach à partir d'aujourd'hui, only through que me. Personne ne te trompe. From today on, let Quand no tu one as Jésus, deceive you. When you have tu Jesus, as la vie. You have life. Lis pour nous 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Read for us 1 John chapter 5, verse 1 rapidement. To 13. Read it quickly. 1 Jean chapitre 5. Écoutez cette parole. Please listen. Versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage. This is the testimony. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. God gave us eternal life. Écoutez. Listen. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie que Dieu nous a donnée est en Jésus. This life God gave us is in Jesus. C'est-à-dire que si tu refuses Jésus, tu n'auras rien. It means if you refuse Jesus, you will have nothing. Dieu a pris la vie éternelle. God took eternal life. Il l'a mis dans son fils. He put it in his son. Et continue. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui a le fils a la vie. If you have a son, you have life. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. The one who don't have a son of God has no life. Continue. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. I wrote these things to you. Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. So that you may know that. Que vous avez la vie éternelle. Vous avez dit j'ai la vie éternelle maintenant. Eternal life. Say I have eternal life now. Dis je crois. Say I believe. Que celui qui donne sa vie à Jésus. That the one who gives his life to Jesus. A la vie éternelle. Has eternal life. J'ai la vie éternelle. Say, I have eternal life. Maintenant, lève tes deux mains. Now, put up your two hands. Dis, oh Seigneur Jésus. Hey, qui n'a pas encore donné la vie à Jésus? Who has not given his life to Jesus yet? S'il te plaît. Please. Ne commets pas l'erreur. Do not commit the mistake. De quitter ta maison. To leave your house. Pour venir refuser Jésus. To come and refuse Jesus here. Tu effectues un voyage. You did a travel. Et tu es assis là. And you are sitting here. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus. You are not giving your life to Jesus. Peut-être tu attends les prières. Maybe you are waiting for prayers. Je ne te mens pas, je te dis la vérité. I'm not lying to you. Si I'm quelqu'un refuse Jésus. If someone refuses Jesus. Il peut rentrer. He can go home. La Bible dit. The Bible si says, quelqu'un refuse d'écouter la loi.
If someone refuses to listen to the law, sa prière même est un péché. His prayer itself is a sin. Quitter ta maison, on t'appelle pour donner la vie à Jésus, tu refuses. Leaving your et house, tu es assis là. And you are caught to give your life to Jesus, les you refuse to les gens aiment quand on les trompe. People like when they are deceived. Après, ils accusent les faux prophètes. And later on, they accuse false prophets. Quand toi-même tu te trompes là. When yourself are deceiving yourself. Est-ce que c'est la faute du faux prophète? Is it is it the tu mistake veux. Of the false prophet? You want la bénédiction de Dieu. Blessing God. En refusant son fils. By refusing his son. Va à la maison. Go home. Va te reposer tranquillement. Go and rest. Mais si tu veux. But if you want que Dieu t'écoute. God to hear you, to listen to donne you. La vie à Jésus. Give your life to Jesus. Il a dit. He says. Celui qui honore le fils honore le père. The one who honors the son. Celui qui n'honore pas le père n'honore pas non plus le fils. If you are not honoring the father, you are not honoring the son as well. Peut-être qu'un petit démon te dérange. Maybe a small demon is troubling you. Satan, va-t'en! Satan, go away. Libère toute âme que tu veux retenir captive. Release any soul that you keep. Que les chaînes soient brisées. We break the chains. Que les chaînes soient brisées. We break the chains. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi. Stand up. Oui, dès que tu te sens léger, tu viens. As soon as you feel light, you just come. Satan. Satan. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dès que tu es léger, tu te lèves, tu as viens. As soon as you are light, you come. You stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Esprit d'incrédulité. Of disbelief. Et de rébellion. Of rebellion. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus lève-toi Christ. Et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. Gorabaka sharagala gaba sharagala. Oui, tenez-vous bien là. Et venez avec humilité. Ne vous cachez please pas. Please come with humility. Do peut-être not tu es venu hide. Avec un ami. Maybe you came with a friend. Tu as peur de lui. You are scared of him. Ça peut attirer la malédiction sur toi. It can attract curse on you. Parce que tu crains les hommes, tu ne crains pas Dieu. Because you fear human being, you don't fear God. Satan, va-t'en. Satan, go away. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Lève-toi Christ. Et viens. Stand up and come. Oui, acclamez, acclamez. Yes, clap. Satan. Satan. Tu es jugé. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Éloigne-toi de ce lieu. Go far from this place. Ces âmes appartiennent à Jésus. These people belong to tous Jesus. Ces âmes appartiennent à Jésus. Lève-toi all et viens. Those people belong to Jesus. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamez, acclamez. Clap, clap, clap. Satan. Satan. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Que les chaînes soient brisées. Break the chains. Que les âmes soient libérées. And we release souls. Pour donner la vie à Jésus. To give the light to Jesus. Qui d'autre? Who else? Rapidement, rapidement. Quickly. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu veux venir, tu viens vite, vite, vite. If you want to come, please come quickly. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Satan. Satan. Ces âmes appartiennent à Jésus. Belong to Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Va-t'en, va-t'en. Go away, go away. Retire-toi. Go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Qui doit venir? Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Satan, va-t'en. Satan, go away. Retire-toi. Go. Jésus a dit. Jesus said, quand j'aurai été élevé, when I will be risen, j'attirerai tous les hommes à moi. I will attract to me all human beings. Jésus appelle les âmes à lui. Jesus is calling souls to him. Aucun démon ne doit se tenir sur le chemin. No demon must stand on the way. Aucun démon ne doit se tenir sur le no chemin. Demon must stand on the way. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Va-t'en. Go away. Sors. Go out. Quitte ce lieu. Leave this place. Méchant esprit. Wicked spirit. Que les cœurs se tournent vers let Jésus. Let the heart turn on Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Satan, va-t'en. Satan, go away. Va-t'en, éloigne-toi au nom de Jésus-Christ. Go away. In the name of Jesus. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Maintenant, levez vos mains. Now, put up your hands. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Pardonne-moi. Forgive me. Dis j'ai péché contre toi. Say I've committed sins against you. Et je ne suis rien.
I'm nothing. Je suis un lépreux. Je suis I'm un lépreux. I'm a leper. Mais tu peux me guérir. But you can heal me. Pardon tous mes péchés. Forgive all my sins. En parole, en pensée, en action. In my word, my thoughts, in my actions. Dis au Seigneur. Say, oh Lord. Je suis fatigué. I'm tired. Je me suis éloigné de toi. I got far from you. Je reviens fatigué, I'm ruiné, coming tired, envoûté, ruined, malade. Enchanted and sick. Je suis lépreux. I'm a leper. Je suis comme Naaman. I am like Naaman. Mais tu me dis. But you are telling me. Que si je viens. That if I come. Je serai lavé. I will be washed. Je deviendrai pur. I will become pure. Je crois. I believe. Je crois à ta promesse. I believe your promise. Je lève mes mains. I put up my hands. Pour me donner à toi. To give myself to you. Pour me donner à toi. To give myself to you. Je ne viens pas pour retourner. I am not coming. Je viens pour rester. I am coming to remain. Je viens pour rester. I'm coming to stay. Je viens pour demeurer. I am coming to remain. Je viens pour te servir. I'm coming to serve you. Je viens pour te servir. I'm coming to serve you. Je sais que j'ai des besoins. I don't have needs. Mais je viens surtout. But I've mainly pour te servir. Come to serve you. Je suis décidé. I am decided. Je suis sincère. I am sincere. Je suis conscient. I am aware. Levez les mains. Put up your hands. Bénissons-les. Let bless them. Demande que les desseins de Dieu s'accomplissent. Ask that God's purposes come into their life. Vous voyez tous ces gens qui ont levé les mains sont en train de prier pour vous. You see all of those people who put up their hands are praying for you. Mais vous? But you? Demandez seulement pardon. Just ask God to forgive you. Oh Père, pardonne. Oh Father, forgive. Oh Père, guéris-les. Oh Father, heal them. Oh Père, lave-les. Oh Father, wash them. Oh Père, lave-les. Oh Father, wash them. Qu'ils soient purs. Let them be pure. Pure. Transformés. Reformed. Sauvés. Saved. Bénis. Blessed. Délivrés. Deliver. Délivrés. Délivrés. Deliver. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Offrons d'acclamation à Jésus-Christ. Let's start for Jesus.